Ça, c'est une bonne question. On écoute Patrick Sébastien, ouais. On écoute un peu de tout. C'est un peu, on a un de nos jeunes joueurs qui gère la radio, du coup la musique, du coup c'est pas spécialement génial en permanence, mais il y a un peu tous les styles. Personnellement, j'écoute mon iPod durant que je m'échauffe pour pas avoir à écouter ce que le jeune y met justement sur les speakers, mais c'est plus de la musique R&B, rap, un petit peu un medley de tout ça. Personnellement, moi j'ai des petites routines, mais c'est pas vraiment des grilles, c'est juste une routine qui me permet de me concentrer dans le match, mais c'est rien de spécial. Et puis je garde ça pour moi. Pour moi, je pense pas que j'ai de rituel. Généralement, j'essaye d'aller un peu, dépendamment à comment je me sens, je change un peu ma routine, mais. Je dois certainement avoir 2-3 trucs comme la plupart des joueurs professionnels, mais comme Rousse, dans ce cas-là, je vais les garder pour moi. Non, rien de spécial, c'est vraiment, je sais pas, je dirais à 10 minutes avant de monter pour le match. Et, c'est juste me rappeler à moi-même les bonnes choses à faire, qu'est-ce que je dois faire pour connaître un bon match, mais c'est rien de particulier. Ça. J'irai le matin de match, c'est juste... faire connaître un bon morning skate et vite prendre ma douche et m'habiller le plus vite possible pour rentrer à l'hôtel et manger rapidement et me reposer dans la chambre. Et after the game also, après le match, c'est vite me déséquiper et faire 10 minutes de vélo, un bon stretch et parfois un bain froid et c'est tout. Généralement, j'essaye juste de me sentir bien le matin pendant l'échauffement d'avant-match. Et puis après, généralement, je fais un bain froid. J'essaie de manger tranquillement pour ne pas me stresser. Et généralement, je parle avec la famille, ma femme, avant de faire une petite sieste. Et puis après le match, généralement, ça dépend de comment le corps se sent. Et des fois, je vais faire le bain d'eau froide. Et des fois, je vais juste me dépêcher et partir de la patinoire le plus vite possible. Pour moi, la journée d'un match typique, c'est vraiment essayer de conserver le maximum d'énergie pour le match du soir. Donc, si on a un morning skate, c'est d'y aller tranquillement, d'essayer de réveiller mes habiletés et tout ça. Et puis après ça, essayer de se reposer au maximum. Puis pour moi, c'est très important de faire des bonnes siestes et de bien dormir. Donc, c'est un petit peu ça mes rituels. C'est dur là maintenant parce que tous les joueurs ont des rituels un peu différents, mais quand j'étais plus jeune, moi je jouais avec un gardien qui avait un rituel où il regardait tout le monde droit dans les yeux et en fait il était concentré dans sa performance du soir, et du coup moi j'étais assis en face de lui et il me regardait et comme s'il me mettait des petits coups de pression, et moi je comprenais pas, j'étais vraiment jeune, du coup j'étais pas serein. Et en fait, je me suis rendu compte quelques mois après qu'en fait à aucun moment il me voyait, dans son truc, il regardait tout le monde, mais en fait il se concentrait sur ses arrêts. Et c'est peut-être le truc le plus bizarre que j'ai vu de ma carrière. je dirais Ronan Kemener. Quand c'est à lui de jouer un match, je sais que avant le warm-up et avant le match, il ferme un peu ses yeux comme ça, il fait des petits arrêts, il aime bien bouger, donc c'est quelque chose qui est très drôle, surtout quand on voit ça de l'extérieur, mais lui est très très concentré, donc je dirais Ronan Kemener. Je viens juste de m'en rappeler d'une aussi, on a, avant le match, on joue un jeu qu'on appelle le nouveau, donc c'est deux touches, et puis il faut que la balle aille à l'autre joueur, et on a notre joueur le plus nul, Valentin Clairaut, qui lui, son rituel, c'est d'être vraiment le plus nul avant chaque match, et il est vraiment bon à ça. Spécialement quand tu joues à l'étranger comme ça, tu te retrouves à jouer avec beaucoup de joueurs et vu que tu es français, on parle beaucoup de la culture alimentaire et ça fait du bien de rentrer en France parce que tu viens à Paris et puis tu peux montrer à tout le monde à quel point on prend soin de notre corps et on mange bien. Du coup c'est peut-être le truc que moi qui me manque le plus quand je suis à l'étranger et je suis peut-être un des trucs le plus content d'être là, c'est parce qu'on mange incroyablement bien. Pour moi, je dirais la langue, tout simplement. Le fait d'être en Finlande toute l'année, on n'entend jamais parler français. Et là, de revenir à Paris, on marche peu importe où dans la rue.
On entend beaucoup de monde parler français, donc juste ça, ça fait du bien, ouais. Vraiment, ce que je préfère quand je suis à Paris, c'est vraiment l'architecture, tout ce qui est historique et tout ça. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Et puis pour nous qui reste aux États-Unis, ben c'est un gros changement. Et puis c'est vraiment le fun de réimmerger dans nos racines et puis de pouvoir en profiter. Et puis Pierre-Edouard l'a mentionné, l'aspect culinaire, c'est un autre niveau. Au Texas, il pleut des tacos, ici il pleut des croissants.